Les Camerounais là, ça va? J'espère que ça va bien. D'accord, on va en parler. Quand vous voulez qu'on en parle là, on va en parler. Vous là, un peu de temps, c'est vous venez vous asseoir pour accuser notre président, critiquer notre président. Pendant que votre pays a été vendu par Paul Biya, votre pays a été vendu aux Chinois par Paul Biya. Vous voulez qu'on en parle? Un peu de temps, vous venez vous asseoir dans votre Afrique média de merde là. Voici les Africains qui sont les plus frustrés de la planète. C'est les Camerounais. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont des problèmes, des mille problèmes. C'est-à-dire que le problème qui est chez eux là, ça dépasse plus que pour les Maliens. Ça dépasse plus que pour les Burkinabés. Ça dépasse plus que pour les Guinéens. Mais ceux qui viennent s'asseoir à mettre leur gueule dans le fait des gens. Oya, 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 oya. Voici le travail que Alassane Ouattara est en train de faire ici. Pendant que votre Paul Biya a vendu votre Cameroun aux Chinois, la preuve en est, vous êtes en train de vous plaindre que les Chinois sont en train de vendre, ils ont pris tous les magasins en compte et ils sont en train de vendre en détail comme en gros. Et vous êtes énervé, vous ne pouvez pas parler de ça. Et la seule personne qui souhaitait pour parler des faits de la société du Cameroun, Paul Biya l'a tué. Il s'appelle Makine Zogoua, Makine Zogoua, je ne sais pas quoi là. C'est lui qui défendait les Camerounais. En fait, là, Paul Biya vous a attaché, Paul Biya vous a vendu déjà. Au lieu de régler ça, vous êtes en train de mettre vos gueules partout, partout, partout. Et voici un gars comme Franklin Nyamsi, que Paul Biya l'a chassé du Cameroun. Et il n'a même pas papier de Cameroun. Il a papier ivoirien. Et celui qui vient mettre sa gueule ici, à Oya 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 Oya. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Hein? Et toi, longue, longue, ton ventre rendrait, je ne sais pas, pour vache là. C'est toi qui avais mettre ta bouche dans le congélateur et puis, maintenant tu as confirmé. Ton problème là où? Magna Zogou est décédé là, tu as mis ta bouche dedans? Au lieu de crier justice là, au lieu de crier haut et fort justice, vous êtes en train de parler de la Côte d'Ivoire. Les problèmes qui ne vous regardent même pas, ni d'Ève ni d'Adam. Vous êtes en train de parler de ça. Vous voulez qu'on en parle? Hein? Votre président qui est depuis là, il a 50 ans, hein? Qui reste à l'étranger pour diriger votre Cameroun. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Votre Afrique média de merde qui est financée par les plus frustrés des opposants africains. Vous voulez qu'on en parle? Hein? Afrique média qui est financée par les opposants les plus frustrés d'Afrique. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Après là, hé, hey, Alassane Ouattara, c'est un assassin. Alassane Ouattara, c'est que. Il faut enlever ta gueule dans les Ivoiriens. Nous, on va vous dire ça. Voilà, c'est moustique de testicule, le Bankou Mani Sonkouma. Ça, c'est l'autoroute qui va jusqu'au nord, entre la frontière Burkina et Mali. Donc, arrêtez de gueuler, gouya, ouya, ouya. On est fatigué de ça. Réglez votre compte. Magna Zogou qui est décédé, hein? On est créé, ouya, fort. Vous êtes là, ouya, 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 ouya. Il y a quand même un Camerounais qui met sa gueule dans le fait des Ivoiriens. Je ne meurs pas. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas honte. Vous avez croisé quelqu'un sur votre chemin. Le moustique de testicule, le Bankou Mani Sonkouma, Assaou Soudina Mousso Fati, le Babre Naslan. Il va chinkafier, chingo, biwolom la, nouvolom la. Allez, Babre. C'est bouclé, c'est géré.